Bonjour tout le monde, bienvenue par ici de là, c'est un plaisir pour nous avec vous, pas oublier sur mon première fois, vous appuyez le bouton, subscribe là, vous appuyez la cloche pour vous être connecté avec nous. Mes amis, nous à la veille de saison de Noël, et pourtant ces mauvaises nouvelles qui viennent de Frère Axel, qui vivent l'autre bord de l'eau. Eh bien, les Haïtiens dans le pays Chili, nouvelles sont tombées, ils ont une vidéo qui est un peu violent, qui n'est pas passé. C'est des Haïtiens qui ont frappé, ils ont insulté. En fait, yo fait cause yo discrimination contre haïtiens dans pays Chili dans l'époque non dans l'époque Noël, pas oublier que les nouveaux Noël dans tout pays dans le monde c'est époque de partage, c'est époque peut-être sous gagner ou on monde dans la rue ou deal, c'est époque l'amour. Mais c'est dans le moment ça frère nous yo a passé bien tracas et la caille voisin, la caille amis, mais tout. C'est pas un sérieux qui gagne la caille tout. Tout le monde a constaté là, Haïti présentement, pas gain fait, pas gain qui est content. Donc nous voulons vous update pour sous ça passé ressortissant ça eux qui vivent dans le pays Chili. Vidéo justement qui montrait dans un bus qui gens que Haïtiens subi de mauvais traitements. Avant nous avancer, n'a pas rappelé pour tout le monde. Surtout pour le monde qui compte participer dans l'émission mercredi. Que nous faisons dimanche, côté que nous poser et répondre aux questions qui ont rapport à l'immigration. Nous avons toujours fait li, chaque mercredi et dimanche, mais nous voulons faire une émission VIP chaque samedi, côté que nous avons qu'à parler dans le téléphone, et nous poser des questions. Nous avons besoin pour membres simplement pour capable prendre part avec l'émission. Nous avons besoin pour nous mettre un bouton subscribe, un bouton join pour les gens qui t'appellent vin membre. C'est simplement pour 2,99$ si vous t'appelez vin membre. Ok? Ok, on va avancer. Donc, qui j'en parle là? Mais ça, il dit. Il dit qu'il y a des ressortissants haïtiens. Et ils recevoir plusieurs coups. Ils recevoir des insultes racistes. Dans un bus qui tape sorti Conception. Ok? En fait, disons, bus là, et t'as pour aller Conception, il était sorti Penco. Ok? Donc, c'est plusieurs ressortissants haïtiens qui subissent attaque raciste. Ça. Dans la région, ça arrive assez bio-bio. Vous frappez ou vous insultez. Témoins ont rapporté que l'incident produit comment? C'est après qu'un Haïtien qui t'a déplacé dans l'allée, on est bus à grand aller, l'a passé, et que de manière accidentelle, il touchait, attendez bien, oui? De manière accidentelle, il touche un passager. Nous comprenons ça qui arrive, soit déplacé dans l'allée, mais on touche un monde. Ok? Eh bien, le fait que même toucher un passager, un Chilien, eh bien, il réagit immédiatement, côté qu'il vide coup de pied. Sous Haïtien ça, et il proférait des injures racistes sous Haïtien ça. Ça qui vient provoquer dans la bataille là, goumen pété qu'on est là, entre Haïtien avec Chilien. Ok? Dans la mi-temps bataille, ça a été une dame qui t'a tenté séparer Mounio, et elle recevait un pile coup de poing dans la bouche, c'est courir au courir avec l'hôpital en sang. Et maintenant, mon qui t'a conduit bis ça, il demande tout le monde qui t'a proféré propos racistes ça, vous en les xénophobes. Il te dit pour mettez pied à terre dans bus là. C'est ça et très rapporté. En fait, nous basons sur une action de la part de conducteur là, de chauffeur qui demande tout le monde qui t'a voyé propos racistes pour te mettre pied à terre, pense que c'était très bien. Il fonctionnait en public dans la région ça en la personne de Francesca Parodi. Il déclare à la presse que dossier passager, moun ki t'a fait pour racisme, caméra bus là, yo remet yo au parquet. Ça veut dire son dossier pour le poursuivre. Ça veut dire qu'il y a une caméra dans le bus là, yo remet yo au parquet. Car incident ça, après le faire objet enquête pour éventuel, nous bien dit, pour éventuelle violation de loi anti-discrimination. En tout cas, nous-mêmes nous dit bravo, parce que on crée sous ça, par rapport à l'ensemble de décisions qui prend yo. Ça montre qu'il y a un ensemble de monde dans le pays Chili qui n'est pas supposé tolérer ça. Premièrement, commencer de chauffeur qui demande justement tout le monde qui t'a lancé propos racistes pour te flanquer pied à terre. Et nous voyons que l'autorité au clair sur ça. Ils prennent la caméra, ils prennent le bagage et éventuellement, ils faire enquête pour violation de loi anti-discrimination. En fait, nous pensons que c'est une très bonne image. Il faut attendre l'audio, justement, parce qu'il était un peu violent. Nous évitons de montrer l'image violente. À peu près 30 secondes, nous faut attendre Jean Bagayoté. Il faut attendre.
Mon cap dit non, la grande balle, grand côté de rivière, la grande haïtien commence à séparer. Qui pas voulu pour balle, la vie dégénérée net. Justement, qui t'a tenté et justement séparer et séparer, surtout haïtien ça, qui a été frappé pour te prévenir. Non! Bon, en fait, moi, il y a une bagaille qui est dans la vidéo, c'est que grand haïtien, justement, qui a essayé de faire bagaille, balader qui a pris mal. Ok? Parce que, justement, il a essayé de séparer pour bagaille. Monsieur a gagné assez pour être. Parce que bataille là, qui a pris mal, monsieur a essayé de mettre la paix. Pendant que tu as une bonne note, tout qui était campé en spectateur, regardez. Ça nous voulait dire par là, c'est que dans le bus, Jean Doula, il a été demandé de mettre à tête tout le groupe de monde qui t'a lancé des boboracis. Ça veut dire que ça, il y a quelques Chiliens qui étaient là, qui n'ont pas décidé d'aller dans la même logique, lancer des propos racistes, ok? Et il y a un haïtien dans le temps qui était plus ou moins mature, qui t'a tenté et justement éviter que pour bagala pas dégénérer. Donc mais toujours est-il que ça justement fait nous penser non occasion Noël et dans notre pays et que ces nouvelles là recevoir des frères et sœurs qui ont frappé, qui ont insulté et au bac a dit rien parce que quel que soit Jean et Mounio Abdou et pour qui ça pour retourner dans le pays, on va avoir raison pour retourner dans le pays. Et année ça, et puis mal que tout l'autre, on ne peut pas parler de Noël. Parce que moi, je suis parlé avec deux trois mon en Haïti là. Et mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Pas de Noël, vrai, mes amis. Il y a des gens qui ont dit, il y a des côtés où tu as fait dégager, il y a des contrats ou coupés. Il y a des entreprises qui en Haïti qui va travailler s'il te gagne. S'il te gagne 50. Nous devons aller voir 45 cliquer mon 10. Mais c'est mon bagage avec tout le monde. Il dit nèg la visite qu'on baï mon travail mais baï pas bon. Baï pas bon. Tout bagage crabe bon. Là bon par exemple moun qui dans domaine éducation, professeur. Mon là qui ça là là, mais là qui on a courir. On pense secteur ça. Qui soit professeur d'école ou bien professeur d'université. Donc ça veut dire qui ça là. Depuis mois de septembre pour juste on va toucher un bout. On parle surtout bon. Pour l'État, bon, il veut nous tirer quand même. Mais va bien grand bon. L'État pas. Et va l'État qui gagne monopole. Non. Ça de l'enseignement, nous va y aller dans le secteur. Pas grand avec marché. Vous comprenez, c'est. L'on parle avec des séries de mon Haïti. Donc, mon entour. Pas de Noël, pas grand rien. Pas de blanche. Bon, ou même capitaine de nous, justement. Dis beaucoup trop tard. Si vous voulez faire un geste, bien entendu, vous pas besoin. Nous-mêmes, encourager la paresse pour que nous soyons tous nos simples consommateurs. Nous disons que depuis ces jeunes garçons, jeunes femmes, qui ont travaillé, qui ont des têtes, mais est-ce que, effectivement, nous reconnaissons ces derniers jours, les choses sont un peu dures. Si vous même faire un geste pour ces zones-là, vous mettez fond penser avec vous. Comme nous sommes toujours fait, parce que diaspora, lundi, nous sommes toujours fait. Parce que c'est les gens qui ont habitué à faire. Parce que il y a des gens qui parlent de jambes. Les parler de diaspora, il faut faire différence. Il y a des gens qui n'ont pas faute. Il n'y a pas bon ici parce que même il n'y a pas de contrôle manger trop. Parce que il y a des gens qui n'ont pas faute. Tout tellement bah, du boulot, il n'y a pas bon ici. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas pensé à avoir. Il y a des gens qui ont mal compris ça tout. Il y a des gens qui ont dit vieux frère, ça ne va pas me penser. Mais vieux frère, ça ne va pas me penser à avoir là. Petite li gen ici ensemble de bagarre, il pas capable payer bidou, il pas grand le choix. OK, gen moun nan tout qui pense là-dedans, mais quelques gen moun qui toujours fait. Donc en fait, ça nous voulait dire c'est que et lorsque nouvelle ça va passer et les a tomber dans occasion Noël, yo un peu triste. Yo un peu triste et li faut songer tout simplement que si nous te gen pays, vous comprenez? Si nous te gen pays et nous pas besoin justement à prendre humiliation de l'autre côté. Nous t'a fêté Noël nous ensemble. Je ne connais pas. Noël la caille était toujours belle. Tout le monde qui connaît la caille consacré le Noël la caille. Puis d'étoiles, petit chlorate,
toute porte ouvre, toute lumière, lumière, et y a claironné, et claironné minuit sonné, tout petit monde dans la rue, et c'est fête musique tout côté. En fait, nous on doit dire qu'on pas riche, nous pas gain gros bagaille, comme t'as dit ça, des sky zone, des de bagaille technologie élevée, mais nous gain une culture de vivre ensemble qui bail nous identité. Nous avons une culture de festivité et tout. Mais presque tout le monde est mes amis. En fait, ça m'a dit que je ne parlais pas à un bon valet en Haïti. Il y a plusieurs mondes qui n'ont pas parlé là dans le pays d'Haïti. Qui ferment les portes de la caille, qui te cabane, qui te chaise, ferment les portes net, parti. À l'homme qui a des amis. Bon, ça n'a pas qu'à dormir dans la rue. À l'homme qui a des amis. Dépaysé. C'est réalité en pile zone en Haïti. C'est réalité en pile frère qui sait qu'ap vivre. Qu'ap vivre dans la rue pas obligé. Et gagner tout dans moment qu'ap mandé côté ou pral jeune cop pour payer kay tout. C'est pas gagné. Pas gagné dans pays là. Pays qu'ap fini. Et pourtant, gagne monde qui fait comprendre que gagne l'espoir, pas gagne l'espoir dans moment là. Pas gagne l'espoir malgré tout effort nous que président fait certes. Mais la réalité, bagaille dur. La réalité, ça tape bon. Il faudrait que vous nous donniez un compromis pour nous sortir dans cette année-là. Dans la fin d'année, bon. Dans la fin d'année, pas de jour encore. Pour nous être capable de nous entendre. Il y a un accord politique. Mais définitivement, nous finissons par comprendre. Haïtien Marie Saint-Yves. Bagaille au bras red. Pas gain. Si nous suivons position de l'opposition, si nous suivons justement. Parole qui a sorti dans la bouche, le président de la République, on comprend bien qu'on bataille qui pourrait livrer là. Bon, pas contre le président de Bénin, disons ça. Mais nous autres, nous pensons que faut que Haïtien Marie Saint-Yves cause à red. Ça nous est devant, captain nous. C'est parti, passe de l'eau. Devant un trouble. Non pas, ouais. On va avoir rien. On dit devant un trouble. Nous pas contre qui j'en dis, mais pour allier. Vraisemblablement, semblait que nous partis pour 10 ans la troublaille. Nous partis pour 10 ans la troublaille. Nous partis pour 10 ans tête chargée. Parce que la réalité, c'est quoi? International là, justement, livrer nous pour contre nous. Pour quitter nous pour contre nous, fois ça. On dirait que vous dites nous, il a quitté de mourir. Parce que c'est un autre type de relation internationale, je vous dis. Avec ton beau pouvoir, il va même réalité. Il va une politique interventionniste. Non, pas un bail comme ça. Dégagez-vous. Démêlez-vous. Vraisemblablement, Haïtien va dégager. Et façon de dégager, c'est glisser chaque jour plus dans le trou. C'est mener nous dans le chouboum. C'est où ça qui vous prend. C'est où ça qui vous voulez. C'est pour mettre ça que vous faites pas Haïtien. Donc, nous autres, nous avons demandé. Côté espoir, en tout cas. Ça nous pense qu'il faut animer tout citoyen, c'est la force. La force pour une bataille, parce que l'on réalise dans qui soyez. L'on réalise tout bon vrai, qu'on pas prévu, que nous en plein guerre. L'on réalise tout bon vrai, que pas grand-chose pour le fait, ou pas grand pour crier, ou grand pour camper, tout simplement. Et puis, bataille, bataille que, on joue, soleil va lever, on joue justement. Toute petite caille va retourner la caille pour nous célébrer une nouvelle Haïti que nous tout espérons. Nous tout quand même malgré tout profiter, souhaiter tout le monde joyeux Noël quand même. J'en s'en dit même si nous avons la peine, joyeux Noël quand même, même si pas gain rien sous table là. Joyeux Noël quand même, même si côte lambrique nous a codé. Nous joyeux Noël pour tout si là qui dépaysé pour tout cela qui bien loin et qui a fait nostalgie, rêver, bon moment, souris, jouette, courir, lago, tout bon bagaille qui a été qu'on vive la caille. Un joyeux Noël quand même pour tout cela qui triste, qui a songé la caille dans moment. C'était un plaisir pour nous avec vous. Portez-nous bien, j'en toujours dit, vous êtes branchés, vous êtes connectés avec nous pour information qui a dominé l'actualité. Portez-nous tout bien.